Bring me out. Come and find me in the dark now. Every day by myself I'm breaking down. I don't wanna fight alone anymore. Bring me out from the prison of my own pride. My God, I need a hope I can't deny. In the end I'm realizing I was never meant to fight on my own. Eh bien salut tout le monde, c'est Mr. Mission 60. Aujourd'hui, on se retrouve pour la FAQ que j'avais promis pour les 1000 abonnés. Voilà, la petite FAQ, elle est présente, on est là. Et du coup, bah c'est parti, on commence avec la première question. Donc avant, je vous mets en arrière-plan des gameplays pour vous ennuyer pas trop. Et les questions apparaîtront au fur et à mesure sur l'écran. Voilà, allez, c'est parti pour la première question. Alors, Nextroy qui nous pose comme question, Road to 5K, GG mon raid pour les 1K. Alors oui, on va essayer d'atteindre les 5000 abonnés, espérons. Et puis, merci à toi, et puis espérons d'atteindre les 5000 abonnés, voilà. Et ouais, on va essayer. Si vous partagez encore des vidéos, vous mettez les mirailles pouces bleus, vous mettez des commentaires, on va augmenter de temps en temps. Si vous en parlez à vos potes et tout ça, on augmentera grandement. Donc, seconde question, vas-tu montrer ta tête de Sharingan 233 qui me pose cette question? Alors oui, je vais montrer ma tête. Pas maintenant. Pourquoi je montrerai pas ma tête maintenant? Parce que je vois pas l'intérêt de montrer ma tête maintenant, parce que tout le monde le fait, montrer sa tête et tout ça, machin, truc milieu chouette, ça va 2 minutes. Je l'avais fait sur mon ancienne chaîne YouTube et je voyais plus l'intérêt et j'avais pas augmenté vite en abonnés puisque c'était plus dur avant. Mais maintenant, je trouve que c'est facile. Tu montes ta tête, tu fais un peu le gogol devant la caméra. Ça y est, t'as des abonnés. Alors que maintenant, moi, je préfère mieux faire des vidéos drôles sans forcément montrer sa tête et multigaming au passage. Et du coup, mais je vais le montrer pour ma tête, genre pour les 5K par exemple, ou pour les 10K, on verra. Ça sera en fonction, tout simplement. Alors, une question de Ravitas 3. Tu te sens comment d'avoir atteint les 1000 abos? Alors, je me sens comment? Je me sens super bien. Et c'est grâce à vous tout simplement que j'ai atteint les 1000 abonnés. Après 200 et demi de YouTube sur Mestomi 160, ça me fait un peu chier de pas avoir plus. Alors, c'est déjà bien, hein. Il y en a qui font même pas 500 alors qu'ils sont sur, ça fait 4 ans qu'ils sont sur YouTube. Mais moi ça m'énerve que par exemple des gens qui arrivent genre maintenant, tu vois, il y a 2-3 semaines, ils ont déjà 1000 abonnés, ils font juste du Dokkan Battle, du Naruto Blazing. Ça y est, terminé, ils sont déjà dans les 1000 abonnés, tout ça. Alors que, par exemple, moi ou plus d'autres youtubeurs qui font plutôt du vrai bon taf, qui font du montage et tout ça, qui travaillent beaucoup plus dur que les gens de Dokkan Battle et tout ça, ils n'ont pas autant d'abos. Voilà, tout simplement. Mais sinon, comment je me sens, ça me fait super plaisir et c'est grâce à vous, tout simplement. Alors, une question de Xam41. Pourras-tu faire une version longue de ton intro? Pourquoi pas, oui, faire une version longue de mon intro. Et je t'avais déjà répondu sur la version sur Naruto Blazing, Blazing Fest de Madara. Oui, je compte, pourquoi pas en faire une, ça serait sympa. En gros, tu veux que je fasse un mini, un AMV avec mon intro. Pourquoi pas en faire une plus longue et puis faire ça, ça vous fera une vidéo. Et puis, si vous me le demandez que vous kiffez tellement l'intro et que ça vous fait plaisir, pourquoi pas? Tout simplement. Et bon, on verra. Mais pourquoi pas? Franchement, je serais capable. Ouais. De reprendre les amis, ça serait cool. Alors, une question de Kurapika Hunter qui est pas mal sur la. Qui est pas mal sur ma chaîne. Et je le remercie. Qui ou comment as-tu découvert les mangas? Alors les mangas, je les ai découverts grâce à mon père. Et à la chaîne NT1, qui est la chaîne 11, numéro 11. Et c'est pour ça que le numéro 11, le chiffre 11, est mon chiffre préféré. Justement, c'est grâce à ça que j'ai connu les mangas. Avec mon père, à 4 ans, j'ai connu Dragon Ball. Il avait mis Dragon Ball. Puis ensuite, j'avais regardé à 5-6 ans, il y avait Naruto qui passait, Nicky Larson, Dragon Ball Z. Après, il y avait Inuyasha aussi, il y a eu Yu-Gi-Oh, après ça s'est enchaîné, Pokémon et tout ça.
Et puis voilà comment j'ai connu les mangas, c'est grâce à mon père qui avait juste passé de chaîne et qui kiffait aussi les mangas à l'époque et qui regardait pas mal Dragon Ball à la télé. Et c'est grâce à ça que j'ai connu les mangas. Voilà. Voilà. Tout simplement. Une question de Flock Sky. Salut, ça va? Oui, et toi? Bah, tu me répondras ça dans les commentaires. Allez, autre question. Alors là, la personne m'a mis trois questions à la suite, donc je vais lire les trois. On va faire par étapes. Donc, Monsieur Colo qui me pose les trois questions, justement. As-tu un travail où tu fais des études? Alors, je suis en alternance, comme j'ai déjà expliqué pas mal, beaucoup de fois sur les lives ou sur des vidéos parfois. En fait, je suis une semaine parfois, je suis en internat, du coup, je peux pas vous faire de live ou de vidéo. Du coup, j'en fais d'avance pour vous la mettre pendant la semaine. Et c'est pour ça aussi que je fais moins de vues ou que je perds des abonnés. Et quand je suis au travail, y a des semaines où je suis au travail. Du coup, c'est là où je fais vraiment tout mon possible pour rattraper mon retard par rapport à l'internat, justement, où je peux pas vous faire beaucoup de vidéos et tout ça. Je vous rattrape sur ce temps-là et c'est comme ça que je regagne des abonnés ou que je les récupère, tout simplement. Et puis voilà, tout simplement. Et puis justement, voilà, ça me fait plaisir. Où habites-tu? C'est Monsieur Corot qui me repose la même question. Où habites-tu? J'habite dans l'Ain, alors dans le 01, dans le Rhône-Alpes, dans l'Auvergne-Rhône-Alpes maintenant, comme on l'appelle. Voilà, pas loin de Lyon. Voilà. Et j'irai peut-être à la Japan Touch qui se déroule le 23 et le 24 avril. Donc si vous voulez venir me voir, il n'y a pas de problème. Vu que vous n'avez pas vu ma tête, ça sera à vous de me trouver, tout simplement. Bon. Voilà, on va passer à la prochaine question qui est celle de Monsieur Courant encore. As-tu une petite amie? Je n'ai pas de petite amie depuis. Je suis célibataire depuis 3 mois. 3-4 mois maintenant. Et du coup, voilà, je suis célibataire depuis 3-4 mois et. Puis voilà, tout simplement. Voilà. Alors, on passe à la prochaine question. Et du coup, là, c'est Kiloa MKF, Big Up à Top Auto qui est souvent sur le stream et puis qui me fait quelques coucou parfois. Voilà, ça me fait plaisir. Quel âge as-tu? J'ai 17 ans, tout simplement. Voilà, j'ai 17 ans, voilà, bientôt, l'année prochaine c'est la majorité, j'aurai ma voiture et tout ça, là, voilà, et puis ça, je pense que ça, on fêtera les 18 ans, hein, je pense que avec une grande envergure. Du coup, on passe à la prochaine question, pareil, Clément qui me pose deux questions, Clément TV MKF qui me dit ton personnage préféré sur DBZ. Mon personnage préféré dans Dragon Ball Z, comme tu le vois, c'est Mirai Gohan avec mon logo et ma bannière, tout simplement. Et pourquoi tu t'es mis sur YouTube? Je me suis mis sur YouTube parce que je kiffe faire des montages vidéo. Je les faisais au départ dans mon coin et puis je les montrais à mes parents, puis à mes frangins. Puis YouTube m'a permis de pouvoir m'exprimer par rapport à ça, et de faire des montages, des MV et tout ça, et mes intros. Et il faut savoir que tout est fait de moi, hein, que ce soit ma bannière, mon logo, mes vidéos, mes miniatures. C'est tout fait par moi, les montages et trucs comme ça. C'est fait tout par moi, je ne demande pas un GFX ou un VFX ou... Et tout ça, tout est fait de moi. Et je kiffe faire ça. Et puis aussi l'envie d'aller sur YouTube, tout simplement. Et puis, puis voilà, tout simplement. Du coup, on passe à Galatax Game qui met « Pourquoi tu as commencé YouTube ?» Alors, je répète, parce que déjà l'envie. Et parce qu'il y a aussi des youtubeurs qui m'ont donné envie, donc ça se passe. En fait, je découpe à chaque fois que je revois la même question. Du coup, pourquoi y a aussi des youtubeurs qui m'ont donné envie de faire des vidéos. Voilà, comme Squeezie, par exemple, au début, qui avait même pas 500 000 abonnés. Cyprien, qui avait même pas 200 000 abonnés. Je le suis depuis ses 15 000 abonnés, hein, Cyprien, donc faut quand même le faire. Rémi Gaillard également, m'ont donné grave envie de faire des vidéos YouTube. Avant, j'avais une autre chaîne qui s'appelait. Tom Gomez Saint-Cyr et du coup voilà tout simplement, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé YouTube. Puis après il y a eu Mesto, voilà, tout simplement, c'est ma deuxième chaîne, c'est Mesto 1160 et je suis content de cette chaîne et je pense que je vais jamais la quitter. Voilà. Alors Yamak YouTube qui me demande, alors que comptes-tu faire pour les 1000 abos? Concours, fait scam, je vous fais gagner des abos, unboxing. Je fais quoi là? C'est une FAQ, c'est fait exprès. J'ai dit que c'était quoi? Annonce FAQ pour les 1000 abonnés. Je sais pas pourquoi est-ce que t'as pas compris dans cette phrase, mais big up à toi et merci pour ta question. Mais pourquoi pas tes concours et tout ça pour les 2000, 3000, voire 4000 abonnés. On verra ça, peut-être. Voilà. Donc,
passe à la prochaine question. CC Gogeto qui me dit, quel est ton perso favori dans tout manga confondu? Tous mes persos? Bah, c'est Mirai Gohan, tout simplement. Et parce que c'est mon personnage préféré dans tout manga, dans Dragon Ball et dans tout manga confondu. Il y a des gens qui sont égaux à lui, mais je ne le dirai pas lesquels, car c'est celui que je kiffe le plus, entre guillemets. Et voilà, tout simplement. Voilà. Alors, on va faire... on va enchaîner sur la question. Vas-tu montrer ta tête? Donc ça, j'ai déjà répondu oui. Quel âge as-tu? J'ai 17 ans. De Pierre Zilka, pardon. Et comment t'appelles-tu? Je m'appelle Tom, tout simplement. T-O-M. On va pas chercher plus loin. Je m'appelle Tom, T-O-M. Tout simplement. Voilà, je m'appelle comme ça. Tout simplement. Et j'espère que j'ai bien répondu. Je peux pas faire plus. Rapide. Voilà. Owen2963 qui me pose comme question, quel est ton perso DBS, DBZ, DB préféré et quel est ton youtubeur préféré? Alors, si tu parles entre guillemets de DBS, DBZ, DB, si c'est dans tout, bah c'est Mirai Gohan. Si c'est dans DBS, tout simplement, juste DBS, c'est Goku et Mirai Trunks. Après DBZ, Mirai Gohan et DB, Goku. Et Kulili. Après, si c'est dans tout, comme je t'ai dit, c'est Mirai Gohan, tout simplement. Et mon youtubeur préféré, les potos, Chusucre, Hisoka, Lilian31, Majin Light, tous les potos. Et puis un youtubeur anglais que je kiffe énormément, c'est PS360HD2. Et ici Debezanto, qui fait du putain de bon taf. Et voilà, tout simplement. Alors, Poche 6771 qui me pose comme question, qu'est-ce qui t'a permis de te lancer sur YouTube? Qu'est-ce qui m'a permis? Bah déjà d'avoir du matériel. Parce que si tu regardes mes précédentes vidéos, mes toutes premières vidéos, je filmais avec mon putain de téléphone qui s'appelait Xperia Play. Et du coup, bah, je filmais avec ça. Elle faisait de la bonne qualité quand même à l'époque. J'avais une grosse télé de merde. Et du coup, bah, c'est sûr que c'est pas grâce à ça que j'ai commencé. Enfin, c'est vraiment grâce à l'envie. Pour tous ceux qui veulent se lancer sur YouTube, faites-le, réfléchissez pas. Si vous arrivez à percer, vous percez. Si vous arrivez pas à percer, vous percerez pas. Mais, voilà, tout simplement, faut y aller, faut foncer. Et puis, peut-être que vous y arriverez comme Yekaïs ou vous y arriverez pas comme moi, par exemple. Tout simplement. Mais, continuez, faites ce que vous aimez. Et, faites-le vraiment pour ce que vous aimez, tout simplement. Donc voilà, c'était la dernière question. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, comme d'habitude, ça m'a fait plaisir de vous la faire et de répondre à toutes ces questions what the fuck et puis répétitif un tout petit peu. Mais ça m'a fait plaisir que vous étiez pas mal de personnes à poser des questions. Du coup, ça me fait énormément plaisir. Et ben voilà, hein, voilà. On peut se dire encore GG pour les 1000 abonnés. GG à vous de m'avoir fait dépasser les 1000 abonnés. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un gros Mirai pouce bleu des familles. Le gros Mirai pouce bleu. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, évidemment Twitter et Snapchat. Les liens sont tous dans la description, même mon pseudo Snapchat. Vous connaissez la musique, je le sais, bande de petits coquinous. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Pour le prochain, et encore une fois, pour de prochaines vidéos. Allez, ciao les gars.